Bonjour, c'est le rendez-vous hebdomadaire de l'Axe Design Interactive et aujourd'hui je suis accompagnée de... Et il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Donc la pédagogie par projet est à son summum en ce moment. Il y a rendu projet du côté ESILV, il y a test utilisateur du côté IIM. On est à fond de partout. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je découpe du scratch pour adapter ma palle à l'éolien. Ah, ah. Ah bah oui, toujours. En regardant Roland Garros. Ah oui, évidemment. C'est quoi le match, là? Qu'est-ce que c'est comme match? C'est Alizé Cornet contre une Roumaine. C'était pour qui? Bah, la française, évidemment. Donc voici, donc là on continue avec l'éolienne, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour Grégoire. C'est toujours l'éolienne, oui. Ce sont les rotors et les poulies pour démultiplier la force de rotation de l'éolienne pour atteindre les 6000 tours minute du moteur. On espère qu'on va y arriver. Ok. Donc okay, comme toujours, hein, on n'est pas avec la génération Y sans voir des jeux vidéo. On a beaucoup travaillé avant. Ouais, on n'a pas déjà eu cette conversation. Si. D'accord. Alors là, il y a une soudure en cours. Oula. Alors ici, nous avons une jeune équipe qui est censée nous faire un livrable de test utilisateur aujourd'hui. Il y a livraison. Livraison. On le regarde? Oui. On le regarde. Attends, j'ai du mal à cadrer. Reflet un peu. Non, c'est bon. Vous voulez voir un petit coup de la vidéo? Allez. Élodie, Clément et Xavier. Tous les trois sont des gérants propriétaires de leur entreprise respective. Nous voulons créer une entreprise économique et une entreprise de livraison professionnelle. Ces trois personnes évoluent dans un environnement similaire au secteur d'entraînement, font partie du réseau réciproque et se servent donc d'une aide spécifique utilise via des contrats support pour réaliser des transactions avec les autres membres du réseau en complément de son activité habituelle. Voilà, c'est leur projet BAP. Ils ont un vrai client et ils doivent aujourd'hui faire des tests utilisateurs sur ce qu'ils ont fait pour apprendre et probablement améliorer. C'est qui votre cible? Tous les chefs d'entreprise TPE, PME. D'accord. Donc avec qui est-ce que vous allez tester cette vidéo? Bah là, on l'a déjà fait avec nos parents. Mais là, ils sont chefs d'entreprise TPE, PME? Oui. Ça va. Et si on doit le faire dans le pôle, on ira voir des intervenants qui rentrent dans notre cible. Vous allez les voir maintenant? Oui. Merci, à tout à l'heure. Alors, ensuite, nous avons Antea, qui avait son projet en orange, classé en orange la semaine dernière. Et alors, comment ça va, Antea? Bah, ça avance, on a toute la technologie à l'intérieur. Maintenant, on est en train de parler à l'ingénieur pour voir faire marcher la deuxième. Système de vibration. Tu sais qu'il faut alimenter hein, les. Oui, je sais, c'est parce qu'en fait, il manque le truc USB, c'est ce que. Ouais, le câble USB. Le câble USB pour qu'on puisse le brancher comme celui-là. D'accord. Comme ça, on peut tester pour voir si on les éloigne, si ça vibre ou pas. Et on est en train de chercher. Donc voilà, c'est une grande aventure hein, qui avance très doucement. Très doucement. Ensuite, nous avons Daphné, étudiante à l'IEM, qui travaille sur l'événementiel au Fab Lab. Qu'est-ce que tu organises, Daphné? Je prépare le mail sur le scénario. Oui, mais c'est pourquoi? C'est quoi l'événement? Une pizza partie avec les anciens de l'IEM. On va inviter les anciens au Fab Lab et tout, avoir plein de projets. Trop bien! C'est le 11 juin. Oui. C'est le 11 juin. Pizza party. À tous les anciens. À bon entendeur. Alors, ici, nous avons un groupe d'étudiants en web qui. Designer donc, formulaire pour inscrire
et déposer les projets. D'accord. Et donc c'est un formulaire qui, se connecte en API sur l'API de Google Spreadsheet et enregistre automatiquement et creuse le point. D'accord. Et là tu es en train d'intégrer la CSS, c'est ça? Voilà, je suis en train d'intégrer tout le CSS pour que ça donne plaisir aux clients. Ok, test utilisateur. Là, on attend. C'est Vincent. Ouais. C'est Vincent qui arrive avec le truc. Non, mais ça va. C'est juste que tout le monde est sur des bouts de plateforme. Heureusement, il y a eu des distributions de cookies bonne maman sur le parvis. Non, merci, ça va. Et vous travaillez sur quoi? Là, on est en train de faire. Boîtier en fait. On est en train de faire un boîtier pour notre projet. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un système électronique et on veut le rentrer dans un boîtier pour que ce soit à l'abri d'une chute ou quoi que ce soit. La boîte. Amine. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est compliqué. La robe de mariée connectée dans son deuxième prototype. Et a priori, il y en aura encore un autre demain. Est ici. Ça marche. Les tests utilisateurs devraient arriver dans combien de temps on fait le test utilisateur, Adrien? Tant qu'on aura le matos, là je sais pas. C'est quoi, c'est les problèmes de câble? Là il nous manque un câble et je sais pas. Le fameux câble de type B? Oui, coupé. Il est coupé en fait. C'est un câble USB coupé. T'as regardé dans l'armoire? J'ai regardé dans l'armoire. Va voir en terre. Dans les projets? Va voir en terre. Comment? Va voir en terre. En fait, on a un petit problème. Matériel, on est obligé de le passer d'un projet à un autre. Alors bref, le Fab Lab, le DaVinci Fab Lab est tellement peuplé que une salle projet a été créée en face. Donc là, les étudiants ici travaillent sur un avion. Voilà, et là vous voyez, c'est le même bazar, mais il y a plein de vie et on adore. Donc merci. C'était 6 minutes, 7 minutes de l'Axe Design Interactif. Il y a des grandes nouvelles de mon côté. Bref, je vous en dirai plus mercredi prochain. Au revoir.